beaucoup trop beau. Le temps passe si vite quand on organise. Et j'adore les dimanches matins comme ça. Parce que je suis allée chez Ikea. Ça, vous allez me dire, Marie, pourquoi t'as pris ce truc là? Je le mettais comme ça et ça servait de pose livre. C'est un rangement bureau, je vais l'utiliser en rangement capsule. Ah, je suis trop contente. Oh là, je suis embêtée. Commencer ce nouvel épisode de Marie déménage par ça. J'ai reçu mon frigo. Après avoir tenu avec ce mini frigo pendant quelques jours, je l'ai enfin reçu et vous avez une Marie heureuse. Vous l'avez vu, il est arrivé super bien protégé, il y avait même ses deux petits ustensiles. Dans ce frigo, il y a une partie congélateur et une partie réfrigérateur, ça c'est super cool. Après quelques heures, je l'ai branché et je l'ai installé. Faut qu'on lui trouve un petit nom. Bref. Regardez, je viens à l'instant de le recevoir. Franchement, mon petit frigo, il était bien sympa. Hein. Regardez, en vrai, on en met des choses. Bon, une pomme, du cottage cheese et des yaourts. Et du thon. Je suis si contente. Je l'ai commandé sur Darty, c'est un Schneider. Et la couleur, mais de le voir, ça te donne envie de sourire. Je suis trop contente. Enfin, je vais pouvoir acheter plus d'aliments. Je vais pouvoir acheter des courses sur plusieurs jours au lieu de faire le soir, au midi. Au début, je voulais acheter le Smeg. Mais les Smeg, on va pas se le cacher, c'est très bien. Hein. Mais c'est très cher. Plus de 2000 euros le frigo, alors que celui-ci, je l'ai eu à 700 je crois. Et puis Schneider c'est une marque allemande, donc c'est vraiment de la super qualité, c'est hyper connu pour ça. Marie est contente pour un frigo. Bah attendez, je vous montre un petit peu quand même le petit quand même de plus près. Regardez, il est beaucoup trop beau. Mais en gros il y a une partie frigo et il y a une partie congèle ici. J'ai pris la livraison où ils me livraient chez moi. Les livreurs sont adorables, ils sont montés, ils étaient trop gentils. Ils ont enlevé les paquets, le carton et tout qui l'emballait. Ils l'ont redescendu, ils l'emmènent avec eux, il n'y a rien qui traîne. Trop bien. Le rangement des capsules pour le café. Un rangement bureau pour surélever l'ordinateur. Mais du coup, moi, j'ai utilisé un rangement. Enfin, je vais l'utiliser en rangement capsule. Alors, je me tâte à peut-être... Attendez, on va décaler ça. À peut-être mettre des organisateurs, je sais pas. On va tester. On va voir ce que ça donne. Hop là. Oh, les cafés Royal, ils sont tellement bons. Au caramel, j'ai vanille. Des Cyril Lignac et ils sont trop bons. Vraiment, si vous pouvez tester. Je m'en suis très vite rendu compte parce que j'ai clairement passé mes journées à faire ça. Mais c'est tellement apaisant, relaxant de ranger et d'organiser. Et oui, vous voyez mon téléphone parce que je me suis dit, tiens, un petit réel, ça peut être sympa. Quand vous voulez organiser vos tiroirs et tout, mais vraiment bien le faire, je pense que l'astuce, c'est de tout vider. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes obligé d'y ranger, vous voyez. Et vous n'avez pas l'excuse de « Oh, c'est pas mal, on va laisser comme ça ». Mais c'est trop satisfaisant, j'adore. Le ranger par couleur, comme ça. Je pense que pour la suite de la cuisine, on va un peu faire pareil. Et même, je pense que mes livres, bon, j'en ai peut-être pas encore assez pour le faire. Mais j'aimerais trop organiser par couleur parce que c'est trop satisfaisant. Et là, je suis en train d'avoir une addiction pour l'organisation extrême. C'est-à-dire qu'il y en a une d'entre vous qui m'a partagé le fait que sur Netflix, il y avait une série qui s'appelle « The Home Edit Life », je crois. Et en gros, c'est une série, il y a deux saisons, où c'est des américaines qui vont réorganiser les maisons, mais toutes les pièces. Et trop satisfaisant parce que plein de rangements en acrylique de partout. Je vous avoue que ça m'a un peu donné envie. Donc j'ai un peu fait une commande tout à l'heure. Je crois qu'on a un énorme colis à ouvrir. Ça fait super longtemps, il me servait de table basse, je vous dis. Ils m'ont envoyé gentiment plein de vaisselle. Vous savez que j'avais tellement hâte de faire cet épisode que enfin je peux faire parce que là dans quelques jours il y a le monsieur qui est venu monter mon lit qui va venir monter bah du coup mes meubles de cuisine. Bah j'en ai deux à monter. Du coup c'est pour ça que je peux enfin faire ce fameux épisode de la cuisine parce que sans ça je pouvais rien faire. Et du coup c'est pour ça que ce matin je me suis dit tiens on va faire une commande organisation, on va se faire plaisir. Oh là là, comment c'est bien emballé. Et en plus, je crois qu'il y a un code promo pour vous, donc c'est trop chouette, ça vous permettra d'avoir des petites réductions si vous avez des petits coups de cœur. Et c'est trop beau. Je suis trop contente. Vous allez voir ça sur ma bibliothèque. De toute façon, dès qu'elle est montée, le monsieur vient en plus à 19h30 un soir. C'est trop bien parce que du coup, bah, en termes d'horaire, il est hyper flexible, c'est chouette. Dès que la bibliothèque elle est montée, je vais pouvoir tout organiser, tout décorer. Et après, bougez surtout pas parce qu'il faut que je vous montre ma commande que j'ai faite de rangement en acrylique. Mais alors, j'ai...
Je me suis lâchée. Et je pense aussi que je vais m'acheter un micro-ondes parce que c'est quelque chose que j'avais pas avant. Et j'en ai repéré un super beau de la même marque du coup que mon frigo, un Schneider. Un podcast lancé et je me suis mise dans une bulle unboxing des vaisselles. Mais c'est vraiment fou d'être heureuse pour de la vaisselle, mais c'est la réalité. En vrai, elle est tellement, tellement belle. C'est de la céramique artisanale qui est faite à la main, fabriquée au Portugal. Et pour moi, c'est tellement important d'avoir de la belle vaisselle pour te faire de bons petits plats. Ça apporte une touche de bonheur quotidienne, je trouve. Ils vendent aussi des pots de fleurs, des bougeoirs, il y a des bougies même, enfin tellement de chouettes choses. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse et n'oubliez pas d'utiliser mon petit code promo. De toute façon, toutes les informations seront en barre d'infos et merci à eux de m'avoir fait ce gros cadeau parce que je suis trop contente. Je me suis fait un petit ensemble dans les tonalités du bleu. Hop là, trop belle. Oh, c'est une couverture. Et pour ma commande du coup que j'ai faite ce matin, je me suis lâchée. J'ai pris cette tourniquet qui sera sur mon futur bureau en carreau de céramique. J'ai trop hâte. C'est séparateur. Vous verrez le jour où on fera l'aménagement de mon récit. Mais ça va m'être très utile. Des compartiments tiroirs. Trop pratique pour tout classer, tout organiser. Des bacs comme ça pour la cuisine. J'ai aussi pris ce rangement à chaussures que j'ai pas encore reçu. Mais oh, ça va être incroyable. Je le sens que ça va être incroyable. Je crois que vous avez le droit d'avoir hâte comme moi de recevoir et de tout organiser. Ça va être tellement satisfaisant et je me rends compte que quand j'organise, que quand je fais le ménage et tout, j'aime bien mettre un podcast en fond et ça me détend. La semaine dernière, on est allé ensemble dans une boutique qui vend des produits ultra clean pour prendre soin de ton cocon. Du coup, j'ai décidé d'utiliser une soucoupe pour poser mon petit savon à vaisselle et j'aime trop le rendu. Oh, 737. On est dimanche matin et j'adore les dimanches matins comme ça parce que je suis allée chez Ikea acheter plein de trucs pour organiser. Et le truc qui est chouette, c'est que Ikea le matin, le dimanche, y a personne. Moi, je vous propose qu'on commence à organiser la cuisine avec ce que j'ai et ce que j'ai acheté aujourd'hui parce qu'il y a d'autres trucs que je voudrais faire, mais en fait, il faut que le monsieur vienne monter les meules. Par contre, vous voyez le carton qui dépasse un petit peu? Ça, c'est... comment on appelle ça? C'est pas une charrette, c'est... une desserte. Bon, j'ai un peu galéré au déballage. Je vais me battre avec ce carton puis je vous retrouve après. Mamma mia, comment je vais soulever ça? C'est super lourd. Oh, je suis trop contente. Oh là, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais le fait qu'il n'y avait pas l'assemblage nécessaire, ça, j'ai bien aimé. Le seul moyen, c'est de tirer comme ça. Ah. Il y aura pas de place pour la bibliothèque si je le mets là. Oh, quel nul! Pourtant j'avais mesuré. Oh, peut-être pas bien visiblement. Oh non mais n'importe quoi. Attendez. Oh là là mais ça va pas. Parce qu'il est quand même grand mais... purée. Ou alors faut que je change totalement mon organisation. Parce que là normalement il y a un meuble qui doit venir. Là je suis vraiment embêtée. Je sais pas quoi faire. Crotte! Oh, mais je sais pas, faut que vous mettiez mes noms parce que j'aurais déjà fait quand vous serez là. Regardez, en plus, j'ai trouvé ça dans mes cartons, ça va trop bien avec. Puis je verrais bien, moi, là-dessus, mettre mon micro-ondes au final. Parce que regardez, il y a une prise juste là. Donc si je le mets, ce truc-là, si je le mets là, à la place du meuble vert, ça peut le faire. Par contre, mon meuble vert, je le mets où? Ah bah peut-être là, à côté de la bibliothèque et du frigo. Franchement, j'avais prévu aujourd'hui de réorganiser la cuisine, mais je pense qu'on va devoir le faire demain parce que j'ai un truc de prévu juste après. Donc les galères, écoute, des fois, ça arrive comme ça part. On va acheter cette commode là, qui est trop belle. Skloom, verte. D'ailleurs, en parlant de ça, donc là, c'est des deux articles qui m'ont offert un code promo pour vous de moins 10% si vous voulez vous faire kiffer sur Skloom, sachant qu'il y a... tellement de trucs, enfin mon appartement il est beaucoup, beaucoup Skloom. Donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Parce qu'il y a tellement des pépites, il y a même de la déco. J'ai pris de la déco aussi, il faudra qu'on voit ensemble ça. Combien il fait de mesure celui-là? 60. Oh purée, il est grand. Oh purée. Oh mais comment, mais crotte. J'y ai déplacé, j'y ai testé, j'y ai réfléchi et... c'est bon, je sais. Je pense que le meuble vert au final il va aller dans ma chambre. Parce que, mais oui, mais c'est bon. Parce que j'avais une place et je savais pas quoi mettre. Donc je peux mettre des trucs dessus.
sur le mur en déco. Mais c'est génial. En plus, il va aller avec ma housse de couette. Bon, bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Merci bien. Ces deux trucs là, alors par contre ça se monte, j'espère que c'est facile à monter. C'est des, vous savez, des sous-étagères pour rajouter du rangement dans vos meubles. J'ai pris deux couvercles transparents comme ça parce qu'en fait j'ai les boîtes mais j'ai pas les couvercles. Et en fait dans le dressing, pareil, quand on va s'attaquer au dressing ensemble, ça va être quelque chose. J'ai pris ce truc là, ça je pense que je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui parce que j'ai pas la bibliothèque qui est montée. Mais en gros je mettrai ma belle vaisselle rangée dessus, je pense que ça va rendre trop bien. Ça, vous allez me dire, Marie, pourquoi t'as pris ce truc là? J'ai vu, je sais plus où, la fille qui l'utilisait, pas forcément en termes de coupe légumes, mais en termes de serre-livre. D'ailleurs, je veux trop m'acheter un support de livre qui ira dans ma cuisine pour mettre des jolis livres en déco. De toute façon, vous savez, à force, si vous suivez la série Marie déménage, que je veux que mon appartement soit rempli de livres. Mais elle le mettait comme ça et ça servait de pose-livre comme ça. Donc, hey, mais si ça peut être pour la cuisine, genre je mets une plante, des livres. Je trouvais ça super beau, un peu futuriste, un peu design et tout. Voilà, voilà. Et j'ai pris les deux mêmes sous-étagères, mais en version plus petite pour mettre les étagères. Mode organisation, rangement activé. Organiser, ranger, classer, catégoriser, c'est tellement relaxant, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais c'est tellement vrai. J'avais déjà ces bocaux d'ailleurs dans mon ancien appartement, mais j'avais pas d'emplacement pour les mettre, du coup j'ai bien fait de les garder. Non, on peut être un peu en mode emmerde, sauf que du coup, il y a des épreuves qui peuvent te décimer, mais pour la plupart, je trouve, elles te marquent et elles écrivent en toi ton histoire, laisse des cicatrices. Qui croit que tout est rose et magique. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que dans mon appart, j'ai vraiment de la chance d'avoir déjà des étagères présentes parce que ça m'évite de faire des trous. Et j'avoue que les étagères, c'est vraiment un système de rangement que tu peux exploiter de toutes les manières et tu peux vraiment laisser aller ta créativité, quoi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais j'ai quand même fait un petit commencement et ça annonce que les prochains jours, on va vraiment les passer ensemble à organiser ma cuisine, mais j'ai trop hâte, je suis trop contente. Genre là, je me dis, ok, les prochains jours, ce que je vais faire, c'est que je vais organiser, ranger ma cuisine et ça me rend mais trop contente. Sur l'étagère, du coup, j'ai mis ces premiers bocaux et j'ai enlevé les anciens. Je pense que je vais les donner à Léna. Elle est en train de faire sa cuisine en ce moment, donc peut-être qu'elle va être intéressée. Sinon, je donnerai à une autre amie, je pense, ou un autre ami. Mais du coup, j'ai mis juste ces bocaux-là parce que je n'avais pas besoin de 50 000, sachant que j'ai d'autres idées. Je voudrais mettre des petites plantes, de la céramique qui est là, mais il faut qu'on range ça mieux. Et du coup, le petit truc là, comment on appelle? J'arrive plus à retrouver le mot. Bah écoutez, on va continuer à l'organiser demain et les prochains jours. Mais déjà, j'irai bien dessus, juste là, mon micro-ondes parce qu'il y a juste une prise qui est à côté. Dans ça on mettra mes snacks et ça se mettra sur la bibliothèque qui sera juste derrière du coup. Mais regardez là, c'est typiquement parfait. Bah pour mettre les barres, moi j'aime trop manger des barres en snack et du coup là ça va être génial. Et en dessous du coup j'ai juste commencé à faire ça mais je me suis très vite arrêtée, mais on continuera demain. Oh, ça va être trop beau. 1-0-7-3-7. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme goût de café? Noisette, ça me semble bien. Elles sont trop mignonnes, mes petites tasses. Du coup, c'est celle que j'ai ouvert hier. Et je suis trop contente, c'est trop beau. En tout cas, aujourd'hui, bon, on va pas parler ensemble parce qu'aujourd'hui, on a du boulot. Et les jours à suivre, on a du boulot parce qu'on a une cuisine à aménager, à décorer. Donc, moi, je vais dire, je mets un podcast. Mode organisation, mode rangement, activé. Je sais pas vous, mais je suis très contente parce que enfin on commence à avancer dans cet appartement. Enfin on commence à y voir quelque chose parce que pendant des semaines c'était un peu les cartons, les questions, je savais pas trop quoi faire. Avant j'ai décidé de déballer ma commande et c'était ma petite poubelle. Poubelle assortie à mes chaussettes, sympa. Monter ces sous-étagères, on dirait pas comme ça, mais c'est une épreuve pour moi. Merci maman, ça va me sauver la vie. Bon, je vous avoue, j'ai quand même mis du temps à comprendre comment le monter, mais... Ça devrait le faire, normalement, c'est pas compliqué. Mais franchement, je suis trop contente parce que ça rend trop bien. Du coup, j'ai mis mes petites céramiques pour le moment, mais oh là là. Par les gens.
Le temps passe si vite quand on organise, je vous promets. Il est 16h ? Non. Bon bah écoutez, je mange à 16h. J'aime bien mettre un petit peu de sel dans mon œuf, je trouve ça super bon. Et regardez, ça rend bien le petit pot. Bon, j'ai pas fait tout ce que je voulais aujourd'hui, enfin cet après-midi, mais là j'ai rendez-vous dans un café avec un ami. Oui, encore, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis avec vous, je vais dans des cafés, mais c'est vrai que j'aime bien y aller, c'est trop sympa. Mais du coup, ce soir, je pense que je continuerai un petit peu à organiser, quoi. Parce que là, franchement, j'ai quand même bien avancé. Enfin, je suis assez contente du résultat. Ça prend vraiment forme, doucement, mais sûrement. Mais oh, j'aime trop, là là. Ah, il est 19h, je suis rentrée du café Bonjour Jacob qui était très sympa. D'ailleurs j'ai vu des magazines beaucoup trop beaux pour la cuisine. Mais bon ça j'en prendrai peut-être un plus tard parce que je me dis que déjà avant de décorer il faut peut-être organiser. Par contre je garde dans un petit coin de la tête ces magazines parce qu'ils sont trop beaux. C'est pour la cuisine, c'est parfait en déco. Il y a des... sur les couvertures vous avez par exemple le sel, le café, plein d'ingrédients, les œufs. Enfin je trouve ça beaucoup trop beau et c'est des petites images qui sont trop jolies dedans. Donc peut-être qu'un jour je me ferai un petit plaisir et je me prendrai un petit magazine pour la cuisine. Peut-être quand je vais à la bibliothèque, en vrai. Ça, c'est tout ce qu'il y a à ranger. Des snacks, beaucoup de snacks, déballer des cartons, déballer les tiroirs. Et j'ai fait ça jusqu'à 23h. Alors accrochez-vous. J'ai commencé par le tiroir, c'était un peu le plus simple, je vous avoue. Mais il y en avait bien besoin parce que les couverts en vrac comme ça, bon... c'est pas trop simple pour les retrouver, vous voyez. Du coup, j'ai tout classé et franchement, j'aime trop le rendu. Et j'ai eu l'idée pour vraiment mêler l'utile à l'agréable de me faire une petite pause vitamine C parce qu'à ce temps-là, le soleil, il tape dans mon appartement. C'est tellement chouette. Et j'ai fait un petit masque. Du coup, là, c'était l'heure de le retirer. Mais ce moment était trop sympa. Bon, reprenons. En vrai, j'espère qu'après cet épisode, vous allez être motivés à ranger votre chambre, votre cuisine, votre salon, enfin ce que vous voulez, mais vous allez voir le bienfait. D'ailleurs, je veux trop que vous testiez, genre même un petit peu, genre une heure, vous rangez, vous organisez, vous passez le chiffon, la poussière. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je vous promets, ça me détend, mais vraiment, je me mets dans un mood, j'adore. Donc Marie, passion rangement, passion organisation, faut que j'arrête avec mes passions, j'ai trop de passions dans la vie, trop de trucs. En plus, c'est des trucs, mais vraiment, mais bêtes, quoi. Mais en vrai, rien n'est bête, c'est juste simple, et les choses simples, c'est souvent les meilleures, quoi. Petite pause dans l'organisation, franchement, on avance pas mal, et l'avantage, en fait, avec les compartiments transparents, c'est qu'on peut voir à l'intérieur ce qui te reste. En plus, ils sont vraiment solides, donc je pense que je vais les garder, mais... 20 ans, 30 ans! Parce que la passion organisation, elle ne s'arrêtera jamais, je pense. Et le truc qui est cool, c'est que voilà, si tu veux changer d'organisation, tu peux. Si tu veux mettre dans ton bureau, tu peux. Enfin, le truc avec ces caisses, c'est que vu que c'est transparent, tu peux les utiliser dans toutes les pièces de ta maison. Donc, franchement, je suis très contente. Ça prend bien forme. Et maintenant, on va s'attaquer aux snacks. Parce que les snacks, c'est ma passion. Si vous me suivez, vous savez que j'adore. J'ai plein de barres protéinées, des trucs comme ça. Donc là, si vous voyez ce que je veux dire. Les snacks, et là on a du boulot. Ah oui, vous allez voir, j'adore les barres Gerlinet. Alors moi je les mange en snack, hein, pas en repas, parce qu'ils disent que ça peut faire l'office d'un repas, mais manger des vrais repas, beaucoup mieux. Et d'ailleurs le rangement là, il est trop pratique, il vient de chez Muji. À la base il y avait mes crayons, et là, je trouvais que mes barres, ça allait plutôt pas mal. Toutes mes petites barres Gerlinet, oh là j'adore. Mais je vous promets, elles sont trop bonnes, au caramel, au chocolat. Oh, j'adore. Oh, puis les barres Kinder, là aussi, elles sont pas mal, celles-là. En tout cas, ma petite desserte, ça commence vraiment à prendre forme. Et si vous voulez la ref, la voilà, elle vient chez Skloom. Et sachez que avec mon code, vous avez moins 10% sur tous les produits du site. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est en barre d'infos. Ça vaut le coup. En tout cas, merci à eux de me l'avoir envoyé parce que là, mais je suis trop contente, elle rentre trop bien. 1-0-7-3-7. Bon, il est 21h, il va peut-être falloir que je pense à faire à manger, non, je sais pas. C'est pas possible, mon rythme est horrible, mais bon, c'est pas grave. Alors, regardez, je teste un truc avec vous. Ça me semble pas mal. Là, la réserve de chips de pommes, ma passion sur terre. Ça, mon dieu, c'est trop pratique. Les sous-étagères IKEA, je pense que je vais aller en racheter d'ailleurs, parce que j'ai d'autres idées. Et attention, vous êtes prêts? Oh! Oh, j'adore! Regardez, c'est trop bien! Oh, j'adore!
Je suis trop contente. À voir ce que je vais mettre au-dessus, mais je verrai bien moins des petits livres de déco pour faire un peu de déco et pas trop fouillis, vous voyez. Là au-dessus, du coup, il faudra que je mette mon micro-ondes qu'il faut que j'achète. Et écoutez, je vais m'occuper de ranger tout ça. Et après, je vais peut-être. Puis après, faudrait peut-être que j'arrête parce que bon, il est tard quoi. Enfin, tard. Je sais que j'ai encore mangé à 23h, le temps de préparer, le temps de traîner, de mettre un podcast. Sauf que tu vois, on a tous notre façon de recharger ses batteries, et bien moi c'est celle-là. Prendre le temps, mais vraiment prendre le temps, hein. Je suis vraiment très longue de me préparer un bon repas qui me fait kiffer, parfois de me faire un masque, d'écouter des podcasts, c'est ce qui me recharge moi perso. Je vous promets, ce fameux savon solide que je vous ai partagé la semaine dernière, je crois, mais il est génial. Attendez, je vais reprendre un peu, parce que en fait le truc c'est que vous pouvez laver à froid avec de l'eau froide et ça nettoie super bien, le monsieur me l'avait dit et c'est vrai. Donc c'est vraiment hyper économique, j'ai dû le payer je sais plus combien, peut-être 5 euros, quelque chose comme ça, je voudrais pas me dire de bêtises, mais il est génial. J'adore faire la vaisselle avec ça, avec ma petite brossette là, hop là. Hier, le monsieur, il est venu monter les 3 meubles dont je vous avais parlé. Je suis vraiment trop contente. Là, vous voyez déjà une partie. Donc, il y a la bibliothèque. En fait, dans la cuisine, il y a juste la bibliothèque. Et après, dans ma chambre, il y a une autre bibliothèque qui est la même que celle-ci. On a aussi déballé mon meuble de salon, le meuble de télé. Il est incroyable. Je voudrais quand même vous montrer l'avancée de la cuisine, où j'en suis actuellement. Comme ça, après, moi, de mon côté, j'avance. Et je vous ferai les petits updates prochainement, dans les prochains épisodes. Parce que Marie déménage, comme je vous le dis, ce n'est que le début. Là, ça commence vraiment à bouger, donc je suis trop contente. Vraiment, les meubles sont montés, j'ai plus qu'à aménager. Et une étape que j'ai hâte, que j'attends depuis un long moment, c'est la déco. En plus, là, je viens de rentrer d'un cours de boxe. J'ai testé la boxe ce matin, c'était trop bien. Et je suis passée devant ND Gallery, le magasin de déco, et de déco de meubles. Et il y avait de la déco en promotion, des espèces de vases colorés un peu format bouteille que je voulais trop acheter de base. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait moins 50%, bah voilà quoi. Voilà du coup la bibliothèque. Bon là, elle est pas top top, mais imaginez-la décorée, aménagée avec mon petit panier que j'ai acheté hier. D'ailleurs, il est trop mignon. Et puis sans ce bazar-là à défaire, ça va être génial. Au-dessus de ma desserte, j'ai mis ces petits sets de table trop mimi avec du coup le porte-assiette, un peu de vaisselle. Mais je pense que je mettrai aussi un micro-ondes plus tard. Là, il y a les rangements Ikea qui rendent vraiment bien en acrylique. Eh, mais sur les balles fermées là, c'est quoi, ça me stresse ça. J'ai mis des petits pots, c'est encore à aménager, je vous avoue. Il y a la partie du café avec les beaux sets de table, encore une fois, que j'ai eu chez Flux. En tout cas, ce petit coin, je l'adore avec la petite plante, ça rend trop trop bien. Là, c'est le coin vaisselle, je vais voir comment je l'aménage par la suite. Là, je pense que je vais changer cet endroit. Et là, par contre, j'aimerais trop trouver un rangement en céramique pour les œufs, du coup, pour changer de cette boîte à voir. La petite étagère, là, je pense que ça va rester comme ça. Par contre, ça, mon Dieu, ça aussi, ça va changer. Et comme dans le frigo, je veux trop l'organiser avec plein de bacs et tout. D'ailleurs, j'ai déjà fait une commande, faut juste que je la reçoive, je l'ai pas reçue encore. Mais ça va être hyper organisé et je vous montrerai à la fin. Ah oui, oh là là, j'ai trouvé ce basilic dans mon carton. Faudra que je le fasse pousser, non? Je suis clairement en train de redécouvrir ce qu'il y a dans mes cartons. Oh, ça. Ça, c'est trop pratique. Oh, regardez ce que je viens de retrouver. Mon pouf Longchamp gonflable. Ok. Oh, on va y arriver. Bon, dimanche prochain, on s'attaque au bureau ?